minutes later, oh my god, the second tower collapsed. Trade towers on this day have now been attacked and destroyed. J'ai même pas lu le plan d'affaires, comment tu veux que je sache? Quoi? De quoi tu parles? Bonjour Véronique! Comment ça va aujourd'hui? Un petit cappuccino? Non, merci. Écoute, je me sens un petit peu désemparée. Excusez-moi, désolée de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez mettre la chaîne des nouvelles, s'il vous plaît? Il y a quelque chose de bizarre à New York qui se passe. Sans doute, mais on a du mal à distinguer pour l'instant. Il y a beaucoup de fumée. Le plan s'élargit, on va peut-être comprendre ce qui se passe. Une des tours du World Trade Center s'est effondrée. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il se passe quelque chose à New York avec les deux tours. Aussi. Ils sont en tournage pour un documentaire. Écoute, j'aime mieux monter pour téléphoner. Peux-tu me garder le café? Sophie? Ah, oui, oui. Dans un espace-temps extrêmement réduit, le World Trade Center, le Pentagone, et bien entendu, on se demande si on va révéler dans quelques minutes d'autres explosions ailleurs. J'aimerais qu'on s'arrête, si vous voulez bien, sur cette image que nous voyons actuellement. Je crois qu'il faut dire aux Français qui nous regardent que nous ne sommes pas malheureusement dans un cadre d'un film. C'est la vérité qui se passe. Cette image extraordinaire au sens propre du terme, c'est-à-dire inimaginable, à savoir de la fumée qui s'échappe du centre de Manhattan, du cœur de la ville de New York. Et bien, c'est ce qui se passe en ce moment après que deux avions aient percuté les deux tours parallèles de World Trade Center. Change manger, s'il te plaît. Hey, c'est quoi ça, là? Tu me niaises-tu? Je veux même pas m'acheter un râteau avec ça, là. Pour le premier, on parle encore, on n'est pas sûr du tout, d'un avion de ligne, d'un 776 qui serait énorme, ça paraît
Un café, s'il vous plaît. Non, non, non. On ne prend pas ce monnaie-là. Vous m'avez fait le coup tantôt. Est-ce que vous avez des vraies pièces? Dans les bâtiments aux alentours et là, sur les images que nous voyons... Alors, on voit que la deuxième tour du World Trade Center est en train d'imploser. Elle s'est effondrée sur elle-même. Elle est en train, à son tour, comme elle avait fait l'autre tour un peu plus tôt, elle s'est écroulée. Toute la zone avait été évacuée par la police. On peut imaginer qu'on a limité les pertes du côté de New York. Mais spectacle inimaginable, incroyable. Les deux tours du World Trade Center sont maintenant à terre, au sol, terrassées par ce double attentat à l'avion suicide. En quelques secondes, la tour s'est effondrée. On imagine évidemment le choc et l'émotion des New Yorkais et des Américains qui regardent tout ça à la télévision. Là, si vous n'avez pas d'argent, moi, je ne peux pas vous servir. En quelle langue il faut que je vous le dise? Non, commence à m'énerver, lui. Il fait exprès ou quoi? C'est tout ça. Ou même à égalité avec Wall Street. Alors, scénario fiction, catastrophe, va-t-il se passer quelque chose dans les autres capitales? On va vous installer à votre place. Vous allez prendre un petit café? Sophie, un café. Sophie, son café. Alors qu'il est, tout est possible. Image toujours en direct de New York, une partie de la ville recouverte par cet épais nuage de fumée qui se dégage des décombres des deux tours du World Trade Center. Image aussi bien de la panique, de la fuite des New Yorkais après, semble-t-il, l'effondrement de l'une des deux tours. Dans un salon de beauté. Nous allons justement faire le point sur un certain nombre de témoignages et d'images de cette panique à New York. Regardez ces images en direct de cet exode. Il n'y a pas d'autre mot puisque le sud de la ville est en train d'être évacué vers le nord. On a l'impression d'être sur une éruption d'un volcan. On a l'impression d'être... Notre grosse difficulté, c'est que les liaisons vers les États-Unis, les liaisons téléphoniques, sont extrêmement encombrées. Et donc ces personnes souhaitent tout d'abord téléphoner avec leur famille et ont beaucoup de mal à les joindre. Donc on essaye de faire de notre mieux pour libérer des lignes.
framboise. Une idée de la tchoudin, qu'on avait très peu pourtant des idées. Elle nous faisait avoir. Papa, je t'ai cherché pendant 2 heures. Je t'avais dit de rester dans la salle d'attente du médecin. Viens, on s'en tourne à la maison. Vous êtes qui, vous, mademoiselle? Monsieur, est-ce que vous aimeriez prendre une marche avec moi? Payer mon café. Merci. Papa, tes pièces de collection. Papa. Et où, Véronique ?